Bonjour Emmanuel. Bonjour. Vous avez sorti la série Le Dixième Peuple, qui se base un petit peu sur la mythologie grecque. Égyptienne, oui. Égyptienne et grecque, voilà, c'est ça. En quoi ça consiste? Comment est née cette idée au départ? Alors en fait, c'est une idée qui découle d'un précédent projet où je voulais raconter la construction des pyramides. Et voilà, comme j'avais un peu étudié la mythologie égyptienne, je voulais la raconter, mais pas la raconter avec des Égyptiens, raconter quelque chose de différent. Et donc, je raconte une histoire qui serait à l'origine de la mythologie égyptienne. Donc, je me projette dans le temps et je raconte un univers où des hommes et des animaux cohabitent. Et on prendra tout ce monde-là pour des dieux plus tard. Et on est à quel tome là aujourd'hui de cette série ? Le tome 3 est sorti en septembre et le tome 4 est en préparation et en campagne sur Ulule. Comment vous faites perdurer cette série ? Comment vous alimentez vos personnages ? Comment se déroule cette action finalement dans le temps ? Alors, l'histoire, j'avais déjà créé tout un univers et embrassé toute la mythologie et les principaux mythes. Donc voilà, j'ai déjà tout écrit et j'espère pouvoir mener à bien le projet. Donc je le fais pas à pas et dieu par dieu, on va dire. Est-ce qu'il y a un site où on peut suivre votre actualité ? Sur Facebook, j'ai pas encore de site, j'en ai un en construction et j'espère qu'il sera en ligne d'ici quelques semaines et où on pourra suivre la réalisation des albums en cours et toute l'actualité. Super, on va aller regarder ça de près, puis je vous rends à votre lectorat et vos dédicaces. On est à Lisle-les-Lanois et c'est un super salon. Hein. Merci beaucoup, oui, tout à fait. Ouais. Merci à vous aussi, au revoir. Au revoir.